Oui, alors les meilleurs livres qui existent dans une langue, on va dire, occidentale, en anglais, dans ce cas, c'est le livre d'Anna Maria Schimmel que j'ai ici, que c'est Calligraphy and Islamic Culture, qui est le meilleur livre jamais écrit sur l'art de la calligraphie en anglais. Alors, si les gens qui sont intéressés, ils ont la possibilité de lire l'anglais, c'est vraiment. Parce qu'elle traite pas seulement les aspects de l'histoire de la calligraphie et le développement, mais aussi la sociologie autour de la calligraphie, toute la tradition autour des maîtres, les disciples, le sultan, les poètes. C'est très, très complet et il n'y a jamais eu un livre qui puisse se comparer ni avant ni après. Après, bien sûr qu'il y a les sources, il y a un livre fantastique qui est écrit en turc qui s'appelle Kalem Guzali, qui était écrit au début du XXe siècle. Et les gens qui ont la possibilité de lire le turc, c'est un très très beau livre où lui-même il était calligraphe, mais il était le frère d'un autre grand calligraphe et il a eu accès à toute une génération où la tradition orale autour de la calligraphie était encore très vivante et il a documenté tout d'une manière presque encyclopédique. Et ça, c'est un autre livre qu'on utilise beaucoup comme calligraphe. En espagnol, on a un livre magnifique qui s'appelle L'Aventura del Cálamo, écrit par José Miguel Puerta Vilches. Et c'est un livre un petit peu méconnu parce qu'il est en espagnol, mais c'est aussi un travail énorme, encyclopédique de toute l'histoire de la calligraphie jusqu'à nos jours. Et il inclut même les variantes modernes de Hurufia et tout ça, mais il met tout très bien dans son contexte. Et en français, je dirais qu'il y a le livre de Hassan Massoudi sur la calligraphie arabe. C'est une petite introduction. Il a aussi écrit un ABC. ABC, je pense qu'il s'appelle, sur la calligraphie. C'est un tout petit, petite introduction. Et voilà, ce sont le trois ou quatre livres qu'on dirait qui sont très bien. Après, il y a deux autres livres plutôt académiques qui sont aussi très bien. Mais voilà, je pense qu'on s'arrête là.